On arrive à mi-parcours. J'espère que la condition physique commence à revenir avec toute l'activité physique qu'on vous propose. Une petite dédicace là sur ce programme, sur cette semaine 4. Logiquement, c'était la dernière semaine des Jeux Olympiques de Tokyo qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc le petit quiz sera bien entendu consacré aux JO. Bon, vous commencez à connaître. Sur le programme de préparation physique, on change rien. Hein, juste un petit truc, essayez d'embarquer vos copains et vos copines ainsi que vos parents dans ces activités d'endurance, d'accord? Parce que ça, plus on est de fous, plus on rit. Vous en avez l'habitude également, en plus des activités dites d'endurance, on a notre activité sportive au choix. On retrouve les sports de roulette qu'on vous avait proposé lors de la première semaine et on vous propose également des sports de pleine nature. Voilà, bougez, prenez le grand air, à la montagne, en Bretagne, mais en tout cas, profitez de cette nature pour faire de l'activité physique. Ça y est, le programme des activités physiques et sportives est donné. Cette semaine, on va faire un petit zoom sur l'alimentation. L'alimentation, c'est un peu comme l'hydratation. C'est quelque chose d'essentiel si on veut pratiquer une activité physique et respecter notre corps. On a besoin de bien s'alimenter. On vous conseille ce petit mode d'emploi qui a été fait comme hydratation par les stagiaires STAPS et les assistants CED de la saison passée durant le confinement. On vous invite à le découvrir et il est disponible en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Concernant les défis, 4 défis comme d'habitude. Faire des jeux de société tous les jours de la semaine, même si c'est un petit jeu, mais en faire tous les jours. Faire le ménage et pas uniquement dans sa chambre. Se coucher avant 23h, le sommeil c'est important, on y reviendra la semaine prochaine. Et je dois également réaliser une action écolo pour ma planète. Donc vous avez le choix à 2 défis à relever cette semaine. Concernant la partie basket, c'est Swan qui nous accompagnera cette semaine, comme la semaine dernière. Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est de réaliser 2 workouts dans la semaine. Donc faites celui de Swan de cette semaine. Si vous avez envie de changer, étant donné qu'il y a eu les 3 autres workouts des semaines passées, vous pouvez également en prendre un autre, donc soit les 2 d'Enzo ou soit le premier de Swan pour compléter cette semaine. Idem, vous en avez l'habitude, le petit quiz de la semaine. Le petit quiz est consacré au JO, comme on vous l'avait expliqué dans l'intro. Petit clin d'œil aux Jeux Olympiques de Londres, au-dessus de moi ici. Bon quiz, et puis à la semaine prochaine.